Salut, c'est Experiment Boy, alors vous commencez à me connaître, hein. Moi j'adore les trucs totalement démesurés et complètement débiles. C'est pourquoi j'ai fabriqué cette énorme catapulte. Elle pèse à peu près 200 kg d'acier galvanisé, avec une force élastique à l'arrière équivalente à peu près à 800 kg. Des palans ici qui vont armer notre bras avec une force totale d'un peu plus d'une tonne. Et potentiellement de l'électroménager qui va voler dans pas longtemps. C'est parti! On va commencer avec un petit test et une grosse pastèque de 5-6 kg. Hop là! Ouh, elle est bien là! Oh, oh oui! On se recule! Premier tir de pastèque, go! Boum! Et là, on n'était même pas à un cinquième du truc, hein. On va mettre plus gros et on va attendre. Allez, on y va. L'heure de la vengeance a sonné. Bombardement au micro-ondes! Un bon viking, j'aime regarder des films de gladiateurs pour me détendre. Tam 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 tam, à l'abordage! Wouhou! Boum la télé, boum! Ah la tête, la première la télé! Y'a plus rien! Oh! Y'a plus rien! Oh la vache! Et ça part à un bon 10-12 mètres quand même, hein! Wow! Dans Indiana Jones, ça marche. Vous croyez qu'on y arrive? Allez. Allez, on embarque. Catapultage Experiment Boy dans 3, 2, 1. Mon gars, ces pauvres assistants obligés de porter mes machines à laver, quoi. Non mais sérieux. J'ai pas réussi à l'en empêcher. C'est peu qu'on perde une caméra, mais la vue va être belle. Dernier tir, machine à laver, parti. Hein. Fire in the hole! Oh, oh, ça a volé! Wow. Oh, la vache! Oh, oh, la lumière! Oh, comme c'est impressionnant! Ouais! Ouais! C'est génial! Et voilà les amis, le résultat de pas mal d'heures de bricolage. Si vous voulez voir comment on a fabriqué cette catapulte, cliquez juste ici. Sinon, si ça vous a plu, un petit like bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve
pour de nouvelles aventures. Ciao! Je rentre pas, j'ai mes cornes de cocu qui dépassent. Non, non.